Nous allons créer une activité de jumelage par paire. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource, cliquez sur Contenu interactif et cliquez sur le bouton Ajouter. Dans la description, écrivez un mot ou deux. Dans le menu des options H5P, cliquez sur A à Z pour le trouver facilement et cherchez Image pairing. Donc, maintenant, dans le titre, nous pouvons écrire, par exemple, révision. Dans la première carte, je vais ajouter une image. Voilà. Je vais mettre un texte alternatif. Je vais ajouter l'image qui est en paire avec lui. Je vais aussi ajouter un autre texte. Ici, vous avez la description de la tâche. C'est comme une consigne. Donc, on pourrait simplement donner la consigne, trouver les deux images qui font la paire. Je vais ajouter une deuxième carte. Donc, je clique sur carte 2. Je vais encore aller chercher deux images. Je vais lui donner un titre. Je vais aller chercher l'image qui lui correspond. Et je pourrais ajouter autant de cartes que je veux. Donc, je vais ajouter une troisième carte avec deux autres images. Et je clique sur Enregistrer et afficher. Donc, maintenant, je vais aller chercher les paires. Donc, mon sans-fil va aller avec mon sans-fil qui est ici. Mon évaluation va aller avec l'évaluation d'équipe. Mon Moodle va avec mon Moodle. Évaluation. Celui-ci avec celui-ci. Je peux faire une révision et on me dit que tout est bon.